Bonjour. Plusieurs amis m'ont demandé ce qui se passait avec mes vidéos et pourquoi je les avais interrompues. Mais la raison, c'est que je vais terminer un livre en principe de vulgarisation sur la physique quantique, dont je ne veux pas parler aujourd'hui. Mais voilà, c'est plus ou moins terminé, donc je vais les reprendre et je vais essayer d'en faire plusieurs. Et je vais commencer par en faire une sur l'affaire Mueller aux États-Unis et aussi l'affaire Assange. Alors, qu'est-ce que l'affaire Mueller, pour expliquer de quoi il s'agit? Ben, depuis des années, une enquête dirigée par un certain Robert Mueller portait sur, entre autres, la collusion entre l'équipe de Trump, l'équipe de campagne de Trump et la Russie, ce qu'on appelle le Kremlin ou Poutine, si on veut. Cette enquête, le résultat de cette enquête a été rendu public par le ministre de la Justice américain Barr, qui a dit qu'il n'y avait pas de collusion. Donc après des années d'enquête avec le FBI, audition de témoins, enfin tout ce que vous voulez, il a dit, bon voilà, il n'y a pas de collusion et il n'y aura pas de mise en accusation de membres de l'équipe de Trump, etc. Alors, il se fait que moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis et je suis ce qui se passe dans ce pays, bien que je n'aime pas leur politique, ou peut-être parce que je n'aime pas leur politique, plus que la plupart des gens. Mais pendant des années aux États-Unis, il y a eu une véritable hystérie sur ce rapport Mueller qui était supposé enfoncer Trump, peut-être mener à son impeachment, son empêchement, enfin, ou à sa démission, et sur la base de la collusion. Alors évidemment, ils vont continuer, les mêmes qui ont fait ça vont continuer à prétendre que les Russes se sont ingérés dans l'élection américaine. Mais ça, je dirais qu'il n'y a pas pour l'instant, de véritables preuves de cela. On dit qu'ils ont piraté le serveur du Parti démocrate, mais alors des experts en informatique disent qu'il n'a pas été piraté, mais que c'est une fuite de l'intérieur, etc. Tout ça reste à vérifier. Ce qui est certain, c'est que l'essentiel de la campagne visait non pas seulement les Russes qui sont continués à être visés, mais Trump et la collusion avec la Russie, et ça, apparemment, c'est tombé à l'eau. Et maintenant, évidemment, pendant des années où l'enquête se menait, Mueller était le chevalier blanc qui allait terrasser Trump, etc., etc. Et dans ces milieux démocrates, maintenant, ils disent, oui, non, il n'a pas été assez loin, il n'a pas poursuivi son enquête jusqu'au bout, etc., etc. Donc, ils reprennent une théorie de la conspiration, comme on dirait, à propos de Mueller, parce que les conclusions ne leur plaisent pas. Mais je voudrais souligner plusieurs aspects qui me paraissent très intéressants dans cette affaire Mueller. Le premier, c'est que l'allégation d'un complot entre les Russes et l'administration Trump était absurde depuis le début. Première raison, on ne voit pas pourquoi les Russes auraient parié sur quelqu'un dont on ne savait pas s'il allait gagner et dont on avait beaucoup de raisons de penser qu'il allait perdre, puisque jusqu'à la fin, la plupart des sondages, des pronostics, etc., donnaient Hillary Clinton gagnante, qui a d'ailleurs gagné la majorité des voix. Et donc, je ne vois pas pourquoi vous avez parié là-dessus. Deuxièmement, les États-Unis ont tellement de moyens d'espionnage. Par exemple, la National Security Agency espionne le téléphone de président américain, de chancelier allemand, etc. Donc, ils peuvent espionner tout ce qu'ils veulent. La CIA aussi. Les Russes le savent. Pourquoi irait-il prendre la campagne Trump aussi? Pourquoi aurait-il prendre un risque qui aurait certainement été dévoilé, prouvé par les moyens d'espionnage qui existent. Finalement, autre absurdité, la politique de Trump a été la politique la plus anti-russe, malgré ses promesses électorales mais il faut jamais croire les promesses électorales, malgré les promesses électorales de détente avec la Russie, il a mené la politique la plus anti-russe qu'on puisse imaginer. Il a déplacé les troupes vers les frontières, il a pris des sanctions, il a expulsé les ambassades du personnel diplomatique. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'augmenter la tension. Il a augmenté, évidemment, il a renoncé à des traités sur les armes nucléaires, etc. Donc il a fait la politique la plus anti-russe, applaudie par les médias, qui en même temps prétendaient qu'il était d'une certaine façon un agent du Kremlin et qu'on allait prouver cela. Ça a été très loin, parce que si on suit les médias libéraux, les médias démocrates, pas l'extrême droite, pas les fachos, pas Fox News, CNN, MSNBC, le New York Times, le Washington Post, etc. L'allégation comme quoi il y avait un complot entre Trump et les Russes était omniprésente et il y avait l'espoir que le rapport Mueller allait mettre ça au jour. Donc ça c'est le premier point.
c'est qu'il y a cette croyance qui paraît totalement irrationnelle. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que les gens qui ont cette croyance croient en fait à une théorie du complot, c'est-à-dire quelque chose pour lequel il n'y a pas de preuve, qui n'est pas très plausible, etc. Tout en dénonçant évidemment sans arrêt les complotistes, les conspirationnistes, les antisémites, etc., qui voient des complots partout, où paraît-il il n'y en a pas, mais eux aussi ils voient des complots là où il n'y en a pas. La deuxième absurdité, c'est que les États-Unis s'ingèrent dans les affaires intérieures des autres États de toutes les façons possibles et imaginables. Par, évidemment, des achats d'élections, des bombardements, de soutien à des terroristes, etc., etc. Alors, ils l'ont fait avec l'Iran, ils l'ont fait avec la Syrie, ils l'ont fait avec plein de pays en Amérique latine, ils l'ont fait à travers des guerres en Asie, Vietnam, évidemment, Cambodge et Laos, ils l'ont fait en Chine aussi. Et donc, ils ont intervenu partout, 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 y compris contre des gouvernements élus, comme le gouvernement Allende ou le gouvernement Chavez, etc. Et, ou les sandinistes au Nicaragua. Et ça, d'une certaine façon, ça c'est OK. Ils sont intervenus aussi en Russie pour soutenir Yeltsin en 96, et il y avait même une couverture de Time ou Newsweek, j'oublie lequel, mettant en avant que les Américains étaient venus à l'aide de Yeltsin. Ils le disaient ouvertement, ils en étaient fiers. Et donc quand eux s'ingèrent dans les affaires intérieures des autres États, c'est évidemment pour le bien de l'humanité, pour les droits de l'homme, pour la démocratie. Et les gens qui sont victimes de ces ingérences devraient accepter ça avec le sourire. Ils devraient dire, voilà, les Américains viennent nous aider. Par contre, si on s'ingère minimalement et de façon non prouvée, et en grande partie de façon imaginaire dans les affaires intérieures américaines, alors là, évidemment, c'est la fin de la démocratie, c'est un scandale, etc., etc. Alors, c'est même plus une question de deux poids, deux mesures. C'est réellement un truc surréaliste. Et pour moi, c'est vraiment du racisme, parce que c'est considéré que les citoyens américains, évidemment, ont tous les droits, que si les Américains ont un petit bobo, c'est la fin du monde, mais que s'ils font mille fois pire aux autres, alors les autres ne pourraient même pas se plaindre. Ils ne devraient même pas considérer cette ingérence de façon négative, puisqu'elle est faite pour leur bien, elle est faite pour les droits de l'homme, et patati patata. Indépendamment du nombre de morts que ça cause, indépendamment des dévastations, des problèmes économiques que posent les sanctions, etc., etc. Alors, c'est parce que les apologistes des États-Unis, y compris beaucoup d'antiracistes en France, nous disent toujours « Oui, mais ça, c'est une société multiculturelle, c'est magnifique, c'est antiraciste, regardez tous les gens d'origine latino-américaine, afro-américaine, etc., afro-américaine, dans les universités, bon, tout ça, c'est magnifique, soi-disant. » Mais si on regarde leur politique étrangère, et je ne parle pas uniquement de leur politique, mais l'attitude, et l'attitude de leurs élites dites progressistes, dites libérales, vis-à-vis du reste du monde, et j'ai vécu là, je l'ai vu constamment, pour moi c'est du racisme à l'état pur, parce que c'est considéré les États-Unis comme la lumière au sommet de la montagne, et les autres pays n'ont absolument pas le droit, les citoyens des autres pays n'ont absolument pas le droit de se plaindre. Alors, troisième absurdité, et là on tombe vraiment dans le comique absolu, c'est qu'il y a un pays qui s'ingère tout le temps dans les affaires intérieures américaines, et qui a une influence déterminante sur la politique au Moyen-Orient, c'est Israël. Bien sûr, ce n'est pas le gouvernement israélien en tant que tel, c'est le lobby pro-israélien aux États-Unis. Des organisations comme les PAC ou d'autres, enfin il y a toute une série d'organisations du lobby pro-israélien. Et ces gens-là, évidemment, ils s'ingèrent, ils poussent les États-Unis au conflit avec l'Iran, à l'intervention en Syrie, à l'intervention en Irak, enfin. Et évidemment, au soutien inconditionnel d'Israël, diplomatique, ils déversent de l'argent sans arrêt. Pour soutenir Israël. Et tout ça, c'est contraire à leurs intérêts. Les Américains n'ont absolument aucun intérêt à être en conflit avec l'Iran, ni avec le Liban, ni avec la Syrie, ni même avec l'Irak, etc. Tous ces pays n'étaient pas hostiles aux États-Unis. Ils étaient hostiles aux États-Unis uniquement dans la mesure où ceux-ci soutiennent Israël. Mais sinon, il n'y a pas de conflit. Et le soutien à Israël aliène par rapport aux États-Unis une grande partie du monde arabe et musulman. Les États-Unis n'ont aucun intérêt. Israël n'a jamais soulevé le petit doigt pour aider les États-Unis. Donnez-moi des exemples où réellement ils aident les États-Unis. Non, ils prennent leur argent, ils disent qu'ils ont des valeurs communes, qu'ils sont alliés, etc. Mais tout ça, c'est faux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les PAC orientent les fonds de donateurs riches vers des candidats qui soutiennent Israël, et tous les gens sont terrorisés. Si un congressiste dit « Oui, mais écoutez, ça va pas, ces gens sont au service d'une puissance étrangère, c'est pas les intérêts des Américains, etc. », ben alors, il passe à la moulinette de l'antisémitisme et personne ne l'écoute. Et donc, tout le monde est terrorisé face à ça. Et donc, personne n'ose affronter le lobby. Il y a quelqu'un qui l'a fait récemment. Une femme musulmane voilée
élu du Minnesota, mais d'origine somalienne, il s'appelle Omar Ilan, pardon. Elle a tweeté à un moment donné, Glenn Greenwald, qui est un journaliste indépendant, a dit pourquoi est-ce que le Congrès veut empêcher cette femme et une autre congressiste nouvellement élue dans les dernières élections de s'exprimer. Et elle a retweeté ça en rajoutant « It's the Benjamin's baby ». Ça voulait dire, c'est une chanson d'ailleurs, les Benjamins, ça désigne les billets de $100 sur lesquels il y a l'image de Benjamin Franklin. Donc c'est une façon de dire c'est l'argent, enfin bon, c'est de l'argot pour dire c'est le fric. Bon. Et elle a rajouté « EPAC », c'est-à-dire le principal lobby qui s'occupe de l'influence au Congrès. Le monde lui est tombé sur la tête, tout son parti, donc le Parti démocrate, a essayé de se distancer d'elle. Trump, évidemment, attaque les démocrates comme étant antisémites. En vrai, ça a été la comédie totale, alors que les gens à l'intérieur du Congrès, je prenais beaucoup d'exemples de cela, savent très bien qu'elle a raison. Tout le monde sait très bien que tout le monde est terrorisé par le lobby, et que le lobby, évidemment, agit de façon extrêmement efficace pour forcer le Congrès à soutenir les politiques israéliennes, même contre l'avis du président des États-Unis. Quand Obama était président, Netanyahou est venu au Congrès, a critiqué le président des États-Unis, il avait tout le Congrès debout, en train de l'applaudir, démocrate comme républicain. Donc si ce n'est pas de l'influence étrangère, je ne sais pas ce que c'est. Bref, cette femme avait d'une certaine façon, par les réactions qu'elle a provoquées à son tweet, qui était une banalité, démontré d'une certaine façon la vérité de son tweet. Enfin, si vous êtes prêt à accepter l'analyse, en tout cas, de l'influence israélienne au Congrès, il y a un livre de deux scientifiques, sciences politiques américains, Mershamer et Wolf, qui démontre ça, à mon avis, au-delà de tout doute raisonnable, qui existe en français. Il y a beaucoup d'autres livres, mais qui n'ont jamais été traduits. Mais celui-là a été traduit, et bon, il faut le lire, évidemment, c'est un peu long. Mais là, vous avez tous les détails sur comment fonctionne le lobby. Et à mon avis... Bon, j'ai lu beaucoup d'autres livres, je pourrais en mettre quelques-uns, mais à mon avis, c'est absolument indiscutable. Alors, le quatrième point que je veux aborder, et qui a à voir évidemment avec l'affaire Assange, c'est l'évolution de ce qu'on peut appeler la gauche, ou, étant gentil, les libéraux, les progressistes américains. Pendant la guerre du Vietnam, il y avait une certaine opposition, les gens de ma génération s'en rappellent, une certaine opposition à la guerre. Cette opposition a eu plusieurs effets. D'abord, évidemment, elle a fait que certains médias étaient prêts à révéler des crimes de guerre commis par les Américains en Vietnam, qu'ils ont publié les papiers du Pentagone, enfin le New York Times et puis après le Washington Post, ils ont publié les papiers du Pentagone, mais, donc il avait été balancé à la presse par Daniel Ellsberg, mais évidemment, les papiers du Pentagone, c'est devenu un espèce de mythe. Il ne faut pas oublier que c'était simplement une enquête interne au gouvernement américain pour voir pourquoi les choses avaient mal tourné au Vietnam. Donc, ce n'était pas réellement un truc anti-guerre ou un truc réellement radical, mais n'empêche, ils étaient capables de publier ce genre de choses. Et Ellsberg n'a jamais été mis en prison. Il a été sauvé plus ou moins pour des raisons techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais... n'empêche, il a été protégé. Et donc, il y avait un mouvement quand même critique vis-à-vis de la CIA, du Pentagone, des médias. Et les médias dominants donnaient une certaine voix à l'expression des opinions critiques. Si on regarde aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui se passe? Assange a été arrêté. Alors, pendant des années, on nous a dit, oui, vous comprenez, c'est un violeur en Suède, il doit s'en rendre compte de ses actes, etc. D'abord, l'histoire de la Suède est très compliquée parce que l'affaire a été abandonnée, il a pu quitter légalement la Suède, puis l'affaire a été rouverte. Assange a dit « Venez m'interroger à l'ambassade » puisqu'il s'était réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Mais ils n'ont pas voulu, alors qu'ils auraient pu le faire, ça n'aurait pas été un gros problème. Il voulait absolument qu'il retourne en Suède. Il a dit « Non, mais là, on va m'extrader vers les États-Unis ». Les Équadoriens, lui-même, à l'époque de l'ancien président Correa, lui donner la citoyenneté équatorienne et un passeport diplomatique qui aurait en principe permis à Assange de sortir de l'ambassade et aller en Équateur, mais évidemment les Anglais n'ont pas accepté. Et donc il y a toutes sortes de choses totalement scandaleuses qui sont passées là-dedans. Et en plus la presse qui a vendu du papier grâce à Assange à l'époque des révélations de Wikileaks quand ils les ont publiées, a complètement laissé tomber Assange à partir du moment où les États-Unis ont voulu mettre la main sur Assange. Alors, ce qui est intéressant,
c'est justement cette évolution, si vous voulez, où finalement il y a très peu de gens progressistes, enfin, il y en a encore, mais il y en a très peu, et en particulier la presse mainstream, genre New York Times, Washington Post, etc., ne défend pas Assange. Et dans les médias, dans les démocrates américains, ils sont tous là à dire « Ah, bonne affaire, on a mis la main dessus, on va savoir qu'est-ce qu'il a fait, quelle est la collusion, parce que c'est bien sûr de nouveau les Russes, qui, à mon avis, n'ont rien à voir dans cette affaire. » Et bon, Manning, par exemple, Chelsea Manning, bon, qui est transgenre, qui était un homme à l'époque où il travaillait, enfin, où elle travaillait dans la guerre en Irak et qui a révélé certaines des atrocités commises dans la guerre en Irak, qui a été révélée par des moyens, par Wikileaks, c'est-à-dire par des médias alternatifs, pas par les médias mainstream. Donc, comment dirais-je, elle a été pendant des années en prison, elle est de nouveau en prison, je pense qu'Assange va se retrouver en prison, alors qu'on nous a dit, oh, des fantasmes, vous allez voir, etc. Bon, on va voir ce qui se passe avec le gouvernement britannique. On peut espérer qu'il y ait des pressions sur le gouvernement britannique, mais je ne vois pas très bien d'où elles vont venir, parce que tout le monde s'en fiche. Et donc tout ce qui est important au niveau mondial, c'est-à-dire justement cette politique internationale, ces guerres perpétuelles, ces pressions, cette volonté de renverser les gouvernements, maintenant évidemment au Venezuela, il n'y a pas de mobilisation contre cela comme il y en avait à l'époque de la guerre du Vietnam. Et je voudrais alors arriver à ma conclusion, qui est justement qu'il y a une régression énorme de l'opinion critique, de la pensée critique en Occident, malgré toutes les chaires d'analyse critique postmoderne et tout ce que vous voulez. Il y a la pensée critique de base qui est de se méfier des gouvernements et des médias dans la mesure où ils répètent la propagande des gouvernements. C'était quelque chose qui était vivant dans ma jeunesse, qui était vivant à l'époque de la guerre du Vietnam et qui a complètement disparu parce que l'opinion dite progressiste s'est complètement convaincue par ce que j'appelle l'idéologie des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme en tant que tel, mais qui est l'idéologie qui dit que les États-Unis, en général l'Occident, représente les droits de l'homme, représente le progrès, les droits des femmes, des homosexuels, etc. Et que, par conséquent, ils ont le droit, même le devoir, et la capacité d'intervenir un peu partout dans le monde de façon à faire respecter ces droits. Alors les Américains sont depuis des années en Afghanistan. Quand ils ont été là, on m'a dit, oh, vous comprenez, les femmes afghanes, c'est horrible ce qui se passe avec les femmes afghanes. Ok, bon, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ils vont rester? Personne n'en sait rien. Ils restent parce qu'il est difficile de les chasser, mais ils ne gagnent pas non plus la guerre. Donc, c'est, contrairement à la guerre du Vietnam, où il y avait quand même une certaine conscience du fait que la guerre était perdue, ici, il n'y a plus cette conscience. Et donc, pour moi, il y a une perte de rationalité totale, une perte de compréhension du monde, à la fois par rapport aux Russes, par rapport aux guerres extérieures, qui sont toutes des échecs d'une certaine façon, par rapport évidemment à Israël et à ses organisations pro-israéliennes, et par rapport à l'esprit critique en général, par rapport aux médias. Et cette perte est un symptôme pour moi du déclin de l'Occident. Je le répète souvent, mais je pense qu'il y a un déclin dans ce sens précis, qu'une des choses qui a fait la force de l'Occident pour le meilleur et pour le pire, je ne veux pas défendre l'Occident, ce n'est sûrement pas mon style, en général, mais n'empêche, il y avait un certain esprit rationnel qui avait été encouragé par le développement des sciences, qui avait été encouragé par la pensée des Lumières, etc., et par une espèce de défense de la rationalité, et qui a disparu, précisément, et peut-être plus encore ailleurs, dans les milieux libéraux qui se réclament sans arrêt des lumières, la rationalité, etc., mais qui ne l'appliquent absolument pas à eux-mêmes, à leur propre gouvernement et à leurs propres médias. Et ça, effectivement, c'est un sérieux problème. Et des gens comme Steven Pinker, par exemple, qui nous parle toujours de progrès, bon, il y a peut-être des progrès en ce qui concerne l'espérance de vie en Afrique ou des choses comme ça, et je m'en réjouis tout autant que lui. Je ne suis pas nécessairement d'accord sur la causalité, mais je trouve ça très bien. Mais si je regarde là où je vis, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, où j'ai vécu, je ne vois pas de progrès de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une régression immense, en tout cas, du point de vue de l'appréhension rationnelle et critique du monde. Et je pense que c'est important de le souligner et d'essayer d'en débattre. Merci.